Bonjour à toutes et à tous. La conférence du cercle Léon Trotsky qui était prévue le 14 novembre ne va pas pouvoir se tenir du fait du reconfinement. Nous vous proposons à la place cette vidéo. Elle est enregistrée jeudi 5 novembre après-midi, c'est-à-dire que nous n'avons pas encore les résultats de l'élection présidentielle, même si on constate que l'écart se creuse en faveur de Biden. Donc avec Michel à ma gauche et Stéphane à ma droite, auxquels je vais poser quelques questions, nous allons aborder les principaux thèmes de cette conférence. Donc Stéphane, les résultats sont encore incertains, mais est-ce qu'on peut en tirer déjà quelque chose Alors oui, alors d'abord sur l'élection présidentielle elle-même, bon bah effectivement Biden semble emporter, et Trump est en train de déposer des recours juridiques. Ça a été complètement attendu puisque Trump avait annoncé qu'il ne pouvait pas perdre l'élection sauf euh, s'il y avait des fraudes. Alors cette élection, évidemment, elle se déroule État par État avec chacun des règles à, à lui et c'est ce qui explique qu'il y a des délais différents euh, de euh, dépouillement des votes et de recomptage par État, d'où l'incertitude actuelle. Alors les recours, ils peuvent aller jusqu'à la Cour suprême où Trump vient de nommer, euh, enfin a nommé au cours de son mandat trois juges, donc il espère être en sa faveur. Et il est bien possible que donc le suspense dure encore un petit moment, euh, avec des recours administratifs ou juridiques, et que finalement celui qui s'assiera dans le fauteuil à la Maison Blanche dépende de quelques dizaines de milliers de voix dans un État particulier, même si euh, l'ensemble des votes au niveau de ce pays de 330 millions euh, d'habitants fait, fait peu de doutes. Et finalement, ce n'est pas impossible que ce soit le président qui est minoritaire dans l'opinion euh, qui l'emporte. Mais d'ores et déjà, on peut dire quelque chose de ces résultats. Biden semble avoir obtenu 72 millions de votes et Trump un peu plus de 68 millions. Donc Biden est en avance dans ce qu'ils appellent le vote populaire. Les rapports de force au Sénat ou à la Chambre des représentants n'ont pas l'air de changer, c'est-à-dire que le Sénat va rester républicain, la Chambre des représentants va rester démocrate. Mais il faut aussi savoir que lors de l'élection de 2016, euh, il y avait euh, presque 7 millions de voix qui s'étaient portées sur d'autres candidats que Trump ou Clinton. Et cette année, il n'y a que 2,3 millions de voix qui se sont portées sur ces autres candidats. Donc il y a une partie des voix qui ont été siphonnées par Trump et Biden. Bon, c'est toute la polarisation qu'on a vue dans cette campagne hein, qui, qui s'explique euh, par ça. Euh, Biden semble avoir eu 6 millions de voix de plus que Clinton en 2016 et Trump 5 millions de voix de plus que lui-même en 2016. Donc chacun ont augmenté, il y a eu plus de participation, mais le rapport de force entre démocrates et républicains a peu changé. Mais il faut aussi savoir qu'il y a 90-91 millions d'adultes en âge de voter qui n'ont pas participé à cette élection, soit qu'ils ne sont pas inscrits sur les listes électorales, soit qu'ils n'ont pas décidé d'y participer c'est-à-dire un nombre plus important que celui qui va occuper la Maison Blanche. Et puis, il faut juste rajouter le côté financier de la campagne. C'est un déluge d'argent euh, que les deux candidats ont réussi à capter et qui s'est déversé sur les électeurs de quelques États clés. Peut-être 14 milliards de dollars pour toutes les élections en cours, c'est-à-dire non seulement l'élection présidentielle, mais celle des sénateurs, des représentants, plus toutes les élections locales et référendums qu'il y avait dans chaque État. Il y a eu peut-être 6,6 milliards de dollars dépensés par Trump et Biden, c'est-à-dire 50% de plus qu'en 2016 pour la seule campagne présidentielle, et c'est essentiellement des fonds qui sont allés à Biden, et ça, c'est certainement pas les milieux populaires qui lui ont apporté ce surcroît d'argent. Voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui. Alors cette campagne, elle s'est tenue dans une plus grande tension politique que les précédentes. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui explique cette situation, qu'est-ce qui est inhabituel cette année aux États-Unis Alors oui, bien sûr, tout le monde a en tête la crise sanitaire. Hein. Bon, je veux juste dire qu'il euh, y a quelques jours, le pays a dépassé la barre des 100 000 contaminations en une seule journée. Elle est donc en pleine explosion en ce moment. Mais il y a aussi, et surtout, pour ce qui est de, des répercussions politiques, la crise économique. Alors, le pays semblait euh, émerger d'une longue euh, croissance économique. Euh, en fait, c'était à peine un rattrapage de la précédente crise financière de 2007-2008. Les, les grandes banques qui avaient euh, mis le pays euh, et puis finalement l'économie mondiale dans la crise ont été renflouées. Deux grandes entreprises comme General Motors également euh, avaient été renflouées, bien qu'elles aient fermé des, des usines. Et euh, la croissance n'était pas vraiment repartie dans la production, mais surtout dans la spéculation et l'activité financière. Donc, cette, ça, c'était la situation avant la, avant la, la pandémie et l'aggravation de cette année. Mais avant ça, en 2019, je vais juste citer ce chiffre il y avait dans la seule ville de New York 114 000 enfants en âge scolaire qui étaient sans domicile fixe. Et ça, c'était avant l'aggravation de la crise cette année. Donc, ça n'a pas été du tout une croissance économique pour du point de vue des milieux populaires. C'était masqué par les indices boursiers flatteurs. Alors cette année. L'État, l'État fédéral, a eu la même réaction qu'il avait eu il y a 12 ans, c'est-à-dire qu'il y a une mobilisation et des démocrates et des républicains, conjointement avec Trump, pour voter un plan d'aide aux entreprises essentiellement, un plan encore plus massif que celui qu'ils euh, avaient voté il y a une douzaine d'années, environ 2 milliards de dollars, enfin en tout cas dans un premier temps, plus le fait que la Banque centrale et donner de l'argent pratiquement gratuit cette année, comme les années précédentes, enfin encore plus. Et évidemment, qui a profité de ce plan de sauvetage Les grandes entreprises, notamment celles du secteur Internet. Bon, on a l'esprit Apple, on a l'esprit Amazon, avec Jeff Bezos qui a vu sa fortune augmenter de 92 milliards en 6 mois cette année, ce qui est évidemment un contraste incroyable avec ce qui s'est passé pour les milieux populaires. Et c'est donc cette crise sociale qui explique toutes les tensions politiques dont on est témoin aujourd'hui et qu'on a vues ces derniers mois. Mmh. Alors Michel, six mois se sont écoulés depuis l'assassinat de George Floyd. Est-ce que tu peux me dire où en est aujourd'hui le mouvement contre les, le racisme et les violences policières aux États-Unis Et puis je compléterai ma question avec un autre aspect. Comment comparer ce mouvement et celui qui a eu lieu dans les années 1960 alors, en effet, il y a eu, un, depuis la fin du mois de mai, le meurtre de George Floyd à Minneapolis. Il y a eu un mouvement de très grande ampleur dans tout le pays. C'était Le fait que la police tue un noir, y compris sous des, devant un téléphone portable, d'un passant, ça n'est pas nouveau. Mais ce qui a été spectaculaire, ça a été la mobilisation contre les violences policières et contre le racisme que ce meurtre affreux a, a provoqué, avec peut-être des dizaines de millions de manifestants. Y compris dans de toutes petites villes, de l'Alaska au Nouveau-Mexique, d'Est en l Ouest. Ça, c'était relativement inédit et on peut dire c'était assez salutaire parce que cette, ces violences policières à l'égard des Noirs, c'est un vieux problème hérité de l'esclavage, de la ségrégation, dont les États-Unis ne sont pas débarrassés, loin s'en faut. Après, dans la durée, bon, ben c'est un mouvement qui, pour ces mobilisations immenses, euh, il y a toujours localement des réseaux qui sont très actifs. Il y a le mouvement Black Lives Matter qui existe maintenant depuis 2013, qui continue d'organiser de, des protestations, d'essayer notamment de réformer la police. Et là, qui se heurte un peu à une contradiction insoluble, puisque la police dans, aux États-Unis, elle défend la propriété capitaliste, elle est liée à l'ordre social dans son ensemble. Et même quand ici ou là, elle a pu être réformée, les violences policières, en particulier à l'égard des Noirs, n'ont pas disparu. Par rapport aux années 60 et à la révolte qui s'était produite notamment dans les, dans les ghettos des grandes villes à travers le pays, c'est quand même un mouvement assez différent. Dans les années 60, c'était une vraie révolte. C'était une révolte massive qui a entraîné l'ensemble de la population noire. Et vu à la fois la détermination de ces révoltes et vu le fait que les Noirs représente une partie importante de la classe ouvrière aux États-Unis. C'est une révolte qui euh, euh, était porteuse euh, d'un mouvement euh, très profond, qui pouvait euh, peut-être prendre une tournure révolutionnaire, et qui représentait un espoir, du coup, pour l'ensemble des masses populaires aux États-Unis et au-delà. Et ça, c'est vrai que le mouvement de ces derniers mois, il n'a pas ce caractère-là. D'accord. Stéphane, du côté des femmes aussi, il y a eu de très fortes mobilisations pour leurs droits, leur droit à disposer de leur corps en particulier. Et on peut se demander aujourd'hui si le droit à l'avortement n'est pas remis en cause aux États-Unis avec cette Cour suprême qui devient de plus en plus réactionnaire. Et oui, en effet, euh, il y a de quoi être inquiet euh, parce que la Cour suprême pourrait renverser l'arrêt de 1973 euh, qui avait autorisé euh, l'avortement. Hein, il faut savoir que ces dernières années, euh, dans divers états, il y a eu des centaines de dispositions législatives euh, destinées à limiter ce droit à l'avortement. Pour donner quelques exemples qui datent juste de l'an dernier, euh, l'Alabama a passé une loi punissant de 99 années de prison euh, l'avortement, euh, même en cas d'inceste ou de viol. Euh, a décidé que l'avortement serait interdit à partir du moment où on pouvait détecter le premier battement d'une cellule cardiaque d'un fœtus, c'est-à-dire à peu près six mois après la conception, c'est-à-dire un moment où un certain nombre de femmes. Six semaines. Six semaines, tu as raison. Six semaines après la conception, c'est-à-dire un moment où un certain nombre de femmes euh, ne savent même pas qu'elles sont enceintes, donc ce qui veut dire que quand elles s'en rendent compte, elles n'ont plus le droit d'avorter. Hein. Et puis euh, la Géorgie, avec un même type de raisonnement sur le premier battement de, de, de cellules cardiaques, euh, à, à passer une loi qui, qui peut permettre de punir d'homicide euh, une femme qui fait une fausse couche. En tout cas, elle serait soumise à une enquête de police pour savoir si euh, ce n'est pas vraiment un avortement. Euh, alors, ces lois ne sont pas rentrées en application, heureusement. Euh, des, des, elles ont été contestées en justice, des juges les ont bloquées, mais ça fait justement partie de la tactique euh, de ces euh, politiciens anti-avortement que de créer des contentieux juridiques qui peuvent remonter à la Cour suprême, où ils espèrent que... Ces juges, de plus en plus, enfin de plus en plus de juges réactionnaires formant une majorité, un jour la décision inverse celle de 1973. Et puis s'applique à ce moment-là à tout le pays. Alors, ceci dit, c'est pas qu'une question juridique hein, ou d'opinion personnelle de neuf juges qui décideraient pour l'ensemble de la société américaine. En 1973, leurs prédécesseurs, ils n'étaient pas moins réactionnaires. Simplement, ils avaient dû composer avec un mouvement féministe assez large et qui venait aussi à une époque où il y avait le mouvement des Noirs, où il y avait aussi des mouvements anti-guerre, c'était la guerre du Vietnam, enfin il y avait toute une contestation sociale sous différentes formes, donc ils avaient dû tenir compte de ça. Et c'est un petit peu dans ces termes-là que la question va se poser dans les années qui viennent. Si les seuls qui expriment leurs idées... Euh, c'est euh, ceux qui ont le plus de préjugés, notamment les préjugés religieux, parce qu'il y a des dizaines de millions de gens qui, euh, au nom de leur foi euh, chrétienne, euh, bon ben véhiculent euh, cette, euh, ce, ce côté réactionnaire et, et veulent voir interdire l'avortement euh, pour tout le monde. Euh, ben, si c'est eux qui ont, qui ont le dessus, évidemment, ça rendra le, les droits des femmes très très fragiles. Hein. Mais euh, justement, c'est un combat politique qui reste à mener et qui aussi peut être euh, qui lie aussi le sort des femmes, l'aspect de leurs droits, euh, à celui de plein d'autres problèmes de la société, parce que finalement elles sont en face d'une un, montée de l'extrême droite. Euh, et, euh, et cette question-là, elle, elle ça, ça la lie à d'autres combats politiques pour empêcher la société de sombrer dans une barbarie plus grande. Oui, d'ailleurs le contexte, c'est aussi une crise économique, une crise du système capitaliste qui enfonce les travailleurs de plus en plus dans la pauvreté là-bas comme partout ailleurs, je mmh. pense. Et euh, donc, pourrais-tu nous dire s'il y a eu, euh, face à ça, des grèves importantes ces dernières années dans le monde du travail Alors, cette année où la crise s'est aggravée, il n'y a pas eu vraiment de réaction des travailleurs en tant que telle. Mais les années précédentes, où en fait elle était larvée, oui, il y en a eu. Il y a eu un certain nombre de, de mouvements pour réclamer des augmentations de salaire. Il y a une sorte d'objectif qui a été dans la tête d'un certain nombre de travailleurs et puis de militants syndicaux, qui est d'atteindre... Un salaire de 15 dollars de l'heure. Euh, en réalité, euh, le, minimum, le salaire minimum fédéral, on est très très loin. puisque Vous dire l'équivalent en euros après Oui, le... alors le salaire minimum fédéral, il est euh, de euh, 7,25 euh, dollars, je crois, c'est-à-dire 6,20 6 euh, euros de l'heure, ce qui est euh, extrêmement peu. Euh, 6,10 euros de l'heure. Euh, en fait, c'est bloqué depuis une douzaine d'années, Obama, quand il était arrivé au pouvoir en 2008, l'avait augmenté de 77, c'est-à-dire très très peu, hein, peut-être de 50 centimes d'euros, et puis ensuite l'avait bloqué pour les, le reste de son mandat, mandat qu'il avait fait avec Biden, et puis Trump l'a aussi bloqué. Donc évidemment, c'est une perte de pouvoir d'achat, y compris pour les salaires les plus bas. Alors il y a eu des grèves dans les chaînes de fast-food, avec cet objectif-là de 15 dollars de l'heure. Euh, D'ailleurs, il y a eu quand même quelques victoires locales. Il y a eu aussi des grèves assez importantes chez les enseignants, euh, notamment en 2018. Euh, bon, faut voir que la situation des enseignants, alors euh, j'en parle un peu parce qu'elle est, elle est significative de l'ensemble d'employés des services publics. Mais par exemple, en Californie, il y a des zones où, avec un salaire de prof, eh ben on dort dans sa voiture parce que c'est impossible de se loger euh, dans les secteurs où euh, la spéculation immobilière euh, est, est la plus extravagante. Euh, ou alors, à l'inverse, dans, dans un des États les plus pauvres, comme en Virginie-Occidentale, où il y a eu une grande grève, eh bien, il y a un certain nombre d'enseignants qui bossent le week-end dans les fast-foods pour faire un peu d'argent parce que leur salaire ne leur permet pas de vivre. Alors, il y a eu euh, toute, une, toute une série de grèves dans, dans différents États. Ça a commencé en Virginie-Occidentale pour euh, les grèves, les salaires. Ils ont obtenu des, des, des augmentations, évidemment, État par État, parce que le système euh, scolaire est, est, est euh, géré par les États euh, à un certain niveau. Et puis il y a eu aussi une grande grève l'an dernier à General Motors. C'était à l'occasion du renouvellement du contrat collectif qui généralement arrive tous les quatre ans. Bon le syndicat a entamé un bras de fer avec la direction. Il faut dire que la direction mettait en place un nouveau contrat qui incluait des reculs pour les travailleurs tant au niveau de les couvertures médicales et sociales. Or la couverture médicale elle dépend, de son entreprise et c'est un élément important de la rémunération. Et puis il y avait aussi euh, l'envie des travailleurs de ne plus accepter de, 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 de reculer comme ils avaient reculé euh, les, les années précédentes. C'est une grève qui a duré 40 jours, la plus longue grève dans une entreprise de cette taille depuis une quarantaine d'années. Alors elle s'est terminée par un accord en fait entre le syndicat euh, UAW et la direction, avec un nouveau contrat, mais à peine meilleur que le premier. Euh, il y a quand même 40% des travailleurs qui ont voté contre ce nouveau contrat, c'est-à-dire en fait pour continuer la grève. Alors ils étaient minoritaires, mais quand même une grosse minorité. Et la direction a dû allonger quand même une prime de 11 000 dollars, euh, c'est-à-dire peut-être 10 000 euros, pour euh, inciter à la reprise. Alors, les travailleurs ont repris, mais ils ont quand même considéré que c'était une victoire d'avoir tenu tête à, à, à ce grand trust automobile euh, pendant 40 jours. Ils avaient attiré une grande sympathie euh, des travailleurs dans les zones où euh, les usines General Motors sont implantées, mais les syndicats n'avaient rien fait pour étendre la grève, et, et ça s'est terminé comme ça. Ceci dit, euh, le patronat a quand même trouvé que euh, c'était un mauvais exemple aux travailleurs des autres secteurs, et euh, l'État est tombé sur le dos des dirigeants de l'OAW quelques mois après. Ils les ont accusés de corruption, alors ils sont certainement corrompus. Les dirigeants des grands appareils syndicaux le sont, souvent aux États-Unis. Mais évidemment, ce n'était pas à l'État de faire le ménage parmi le syndicat, ça aurait été aux travailleurs. Mais c'est une façon pour le patronat de se venger de ce qu'il avait subi durant cette grève. Mmh. Pour continuer peut-être sur le, la situation du monde du travail, euh, Michel, est-ce que tu pourrais nous dire euh, quelles ont été les conséquences de la crise euh, du Covid-19 euh, pour les travailleurs euh, de, de, des USA et euh, aussi en même temps d'ailleurs euh, les conséquences de l'accentuation de la crise économique qui en a découlé Les conséquences elles sont, euh, elles sont terribles. Hein. Donc les États-Unis c'est le pays au monde où il y a le plus de morts du Covid. Hein. On a parlé de 230 000 aujourd'hui, mais c'est que euh, l'épidémie est loin d'être. Euh... Terminé dans des villes une ville comme New York, qui est un peu de la taille de la région parisienne, il y a eu 25 000 morts en quelques semaines. Et puis là, il y a, on en est à une troisième vague aux États-Unis. Après, euh, les grandes métropoles, et puis ensuite les États, notamment du Sud, là maintenant, ce sont les, y compris les régions les plus rurales du pays qui sont touchées. Alors, ce qui est vrai, c'est que cette euh, épidémie, elle frappe très durement euh, les classes populaires, les euh, travailleurs des transports, les travailleurs des abattoirs les travailleurs des fermes, notamment beaucoup de migrants qui sont euh, euh, frappés aujourd'hui, euh, les auxiliaires de vie, les noirs, les hispaniques, l'ensemble des, des classes populaires paye un prix très lourd à cette pandémie. Pour, euh, alors, un, un prix, bon, ce n'est pas propre aux États-Unis. Disons que ce qu'il y a aux États-Unis, c'est que d'une part, il y a ce système d'assurance médicale privée qui joue un rôle euh, bah, dans le, qui freine l'accès aux soins pour de très nombreuses personnes qui n'ont pas d'assurance. Et puis il y a aussi le fait que euh, non seulement Trump, mais de nombreux gouverneurs, sans parler d'innombrables euh, entrepreneurs capitalistes, se sont opposés à tout confinement, ont cherché à maintenir le fonctionnement des entreprises, et que les entreprises ont représenté un vecteur très important de contamination au coronavirus. Donc l'épidémie, elle a été euh, la poursuite en quelque sorte de la lutte de classe. Euh, Menée par les plus riches contre les plus pauvres, et elle se traduit par une augmentation, une aggravation des inégalités qui sont déjà énormes aux États-Unis. Alors, ça, c'est aussi le résultat de la crise économique causée par, causée par ce système et par, aggravée par l'épidémie. Par, par Il y a eu en quelques mois des dizaines de millions de chômeurs, certains ont retrouvé du travail, d'autres en repèrent en ce moment. Il y a une estimation, un taux officiel qui est de 8% de chômeurs, mais en fait, tout le monde sait que c'est un taux qui est très inférieur à la réalité. On parle plutôt d'un quart, un quart des actifs qui sont sans emploi, dont beaucoup ont renoncé à trouver un travail. Et ça s'accompagne d'une aggravation de la pauvreté. Il y, a des millions de, il y a plusieurs dizaines de millions, on parle de 40 millions de personnes qui dépendent de l'aide alimentaire pour leur, pour leur survie. Il y a toute une partie de la population qui s'enfonce dans la pauvreté, et y compris qui se retrouve dans des situations. De menaces d'expulsion de ces, des logements que ces personnes occupent, parfois qu'elles ont pu acquérir euh, moyennant des emprunts importants, ce qui était déjà un des traits importants de la crise terrible de 2007-2008. Voilà. On, on est dans cette, dans cette situation. D'accord. Alors, pour en revenir à l'élection présidentielle, euh, pourquoi des gens de milieu populaire ont-ils voté pour Trump Alors, d'une part, euh, bon, comme, euh, comme tout le monde a pu le constater, euh, euh, en effet, euh, Trump euh, il, a manifestement, euh, euh, il est manifestement parvenu à garder sa base électorale, peut-être même à l'accroître légèrement, si on en juge par euh, les chiffres qu'on a cités tout à l'heure. Et ça, ben, on, peut, on peut chercher plusieurs explications. À ça. Alors D'abord, il y a le fait que, bon, on comprend que pas grand monde dans les classes populaires n'ait été très enthousiasmé par la perspective d'avoir à la présidence des États-Unis un politicien démocrate des classes possédantes, dans le système depuis 50 ans, aussi lisse que loyal envers la bourgeoisie. Ça n'est pas déchaîné le, les passions, ça se, ça se comprend. Après, il y a autre chose, il y a le fait que Trump, il fait vibrer la corde du chauvinisme l'accord du nationalisme, l'accord du protectionnisme, dans ses, au moins dans ses discours, sinon dans sa politique euh, commerciale. Il s'appuie y compris sur des préjugés qui sont euh, xénophobes, qui sont, euh, euh, dans, on peut dire, euh, d'une un certain, certaine forme de racisme. Enfin, il y a toute une, il y a toute une démagogie euh, sur laquelle il a construit son personnage politique, bah, qui touche malheureusement une partie de l'opinion. Il y a des gens qui votent pour lui parce qu'ils y ont trouvé un intérêt économique, des petits entrepreneurs, des commerçants, des, des hommes d'affaires qui ont vu leurs impôts baisser. Et puis il y a une partie des classes populaires eh bien, qui sont abusées par cette démagogie. Et de ce point de vue-là, euh, quelle que soit finalement l'issue euh, du, du scotin, hein, puisqu'il semble que Biden soit, soit aux portes du pouvoir, euh, de ce point de vue-là, malheureusement, ce poison de la division qui existe, dans les classes populaires euh, des États-Unis. C'est quelque chose qui est, qui est lourd de danger, de menaces pour, pour l'avenir, et qui ne va pas disparaître avec Trump, même si Trump lui-même finit par perdre l'élection. Mm -hmm. euh, Stéphane, est-ce que Biden a fait campagne avec un programme, ou bien est-ce qu'il s'est contenté d'être une alternative à Trump bah Oui, bien sûr, il, il s'est présenté comme une alternative. Il faut dire que bon Trump... Avec euh, bon, ses, ses, ses mensonges, ses affabulations, euh, ses tweets grotesques euh, pendant quatre ans à la Maison-Blanche, bon, ben voilà, il servait de repoussoir à toute une partie de l'électorat et euh, Biden euh, s'est contenté de surfer là-dessus. Chacun a pu constater au cours de ces quatre années combien Trump a dit tout et son contraire. Mais il ne faut pas croire que Biden soit tellement différent. Il a un style complètement différent, mais euh, lui-même, il a fait des déclarations, par exemple, Déplorant euh, les meurtres racistes de la police et semblant un peu encourager certaines manifestations, mais il a ajouté qu'il était pour la loi et l'ordre, ce qui est une façon de dire qu'il soutient la police. Euh, par ailleurs, sa colistière, Kamala Harris, euh, qui est une femme noire, elle peut avoir cet avantage-là du point de vue électoral pour ceux qui sont antiracistes, mais d'un autre côté, elle est aussi connue pour avoir fait une carrière euh, judiciaire en Californie où elle a été complaisante envers les brutalités policières. Biden a parlé d'augmenter légèrement les impôts pour les ultra-riches, mais il n'a pas promis de revenir entièrement sur la réforme fiscale de Trump de 2017. Et si Biden est élu et s'il mettait son programme fiscal à exécution, eh bien le taux d'impôt sur les bénéfices des entreprises, qui était de 35% sous Obama, eh bien il serait de 28% sous Biden. Donc en fait, c'est toujours la même politique qui continue à exonérer les, les, les grandes entreprises de la majorité de, de leurs impôts. Donc la finance n'a rien à craindre d'un Biden, comme l'a montré d'ailleurs l'afflux d'argent pour l'aider dans sa campagne, y compris un afflux venant de, de Wall Street. Bon, d'ailleurs, sa carrière politique, elle s'est déroulée principalement dans le petit État du Delaware, qui est un paradis fiscal à l'intérieur des États-Unis. Biden, il a été sénateur pendant 37 ans, vice-président pendant 8 ans. Et il incarne un certain conservatisme politique. Hein, il a été dit qu'il n'a rien pour enthousiasmer, et euh, les travailleurs en colère euh, ne pouvaient pas euh, s'exprimer euh, en votant pour lui. C'est d'ailleurs, euh, c'est malheureux, euh, Trump qui est beaucoup apparu, et en 2016 et à nouveau cette année, euh, comme euh, un candidat anti-système. Alors, il y a toutefois, euh, je tiens à le dire, euh, non pas à l'élection présidentielle au niveau des 50 États, mais dans certaines élections locales, des candidats qui se sont présentés. Euh, au nom d'un parti de la classe ouvrière et avec un programme de lutte de classe. Euh, autant qu'on puisse savoir, à l'heure où on parle, euh, ils ont obtenu autour de 2% des voix. Euh, on le mettra sur notre site Internet dès qu'on le sera. Euh, euh, des résultats plus précis euh, à leur propos. Mais pour euh, finir sur Biden, euh, il a parlé de réconcilier l'Amérique s'il devient président. Mais qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire tâcher de euh, cacher, de masquer les tensions politiques qui sont à l'œuvre. Mais les causes de ces tensions, euh, elles sont là et aucun président n'y pourra quoi que ce soit. Et il est même possible qu'une présidence de Biden, en décevant autant et même plus que celle d'Obama parce que la crise est, est bien pire, euh, bah, finalement renforce ces tensions. Biden, il a parlé de guérir l'Amérique, mais il n'y a aucun moyen pour éviter les conséquences dramatiques de la crise économique, à moins de renverser euh, la bourgeoisie et son système politique. D'accord, donc euh, bah, je, là j'ai une question, je pense que tu y as répondu en partie, mais peut-être que tu veux compléter. Donc s'il était élu, les changements pour les travailleurs, pour les noirs, pour les femmes Bon, tu en as dit, euh, tu mm. as répondu en partie, mais peut-être veux-tu euh, bah, compléter Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup d'illusions euh, de ce point de vue-là, même aux États-Unis. Hein, euh, euh, les gens ont vécu les huit années euh, d'Obama. Euh, bon, euh, lui-même était noir, un président noir, mais. Euh, euh, le mouvement Black Lives Matter, il a commencé sous Obama, parce que les meurtres racistes existaient déjà, euh, évidemment sous Obama, bien avant aussi, mais euh, ça n'a rien freiné. Et Biden, demain au pouvoir, euh, ne changera rien à tout ça. Le, le, la situation a sa propre logique. D'abord, l'État, ce n'est pas juste le président. Hein, D'ailleurs, euh, Trump a été beaucoup agacé au cours de ces quatre dernières années parce que lui-même voulait décider tout, tout était sur tout. Et euh, pourtant, il y avait, euh, le, la politique de l'État américain avait certes, une certaine logique qui, des fois, échappait un peu à Trump. Euh, donc même Biden ou n'importe qui euh, n'y changerait pas grand-chose. Et puis c'est surtout la classe capitaliste qui est maître de la situation. C est, c est, ce sont euh, ces grandes entreprises qui vont euh, décider s'il y a plus de chômage, moins de chômage, s'il y a plus de misère, moins de misère. Et... Euh, et ça, toute la situation économique est en train de se dégrader. C'est beaucoup dégradé ces derniers mois, et ça, ça augure quand même d'affrontements sociaux et d'affrontements politiques pour les années à venir. Michel, pendant la campagne électorale, on a vu se manifester des groupes armés d'extrême droite, avec d'ailleurs le soutien affirmé de Trump. Est-ce que ces milices, c'est un phénomène nouveau aux États-Unis et puis, euh, là, dans cette période, en tout cas, est-ce qu'elles sont euh, une force d'appoint électoral à Trump et aux Républicains, ou bien est-ce qu'elles ont leurs propres objectifs politiques Alors, en effet, on a vu dans plusieurs, dans plusieurs États, dans plusieurs villes, ces milices à l'œuvre. Par exemple, dans le Michigan, on a appris qu'une milice avait eu pour projet d'enlever gouverne la gouverneure démocrate du Michigan et de renverser le gouvernement du Michigan. Donc c'est un État industriel du, du, du Midwest, des, des, de la région des Grands Lacs. Euh, ailleurs, on a vu par exemple lors de manifestations antiracistes des miliciens euh, blancs euh, armés euh, tuer plusieurs manifestants et puis euh, s'organiser autour de commerces, de points stratégiques euh, euh, dans certaines villes comme euh, comme à Kenosha dans le, dans, dans le Wisconsin. Et puis ailleurs, dans nombreuses villes, ces groupes d'extrême droite se manifestent. Alors, euh, ils ne sont pas nouveaux, au sens où il y a une tradition ancienne aux États-Unis euh, de militer l'extrême droite, euh, sans remonter plus loin euh, le Ku Klux clan euh, qui s'est formé après la guerre de sécession pour empêcher les, les noirs émancipés euh, euh, d'utiliser leurs droits. Euh, il a été pendant plus d'un siècle maintenant une force de cette nature, des bandes armées, plus ou moins actives selon les périodes, plus ou moins, non, plus ou moins nombreuses, plus ou moins fournies, plus ou moins introduites dans l'appareil d'état, dans l'appareil des états et des autorités locales, parce que c'est aussi un, un des propres, il y a une grande porosité entre ces groupes et la police, parfois même la justice, dans un certain nombre de dans un certain nombre de parties des États-Unis. Donc, euh, ça n'est pas nouveau. Disons que ce qui est un peu nouveau, c'est qu'on les voit on, voit, on a un peu l'impression d'une résurgence, on les voit apparaître et se manifester au grand jour. Maintenant, euh, quand on regarde y compris euh, ce que disent des associations qui suivent un peu leur activité, il y a par exemple chaque année aux États-Unis des dizaines de meurtres politiques dont ces groupes d'extrême droite, plus ou moins structurés, sont responsables. Par exemple, j'ai relevé le chiffre... 40 morts politiques en 2019, des gens qui sont tués par euh, des miliciens, des hommes armés, qui défendent qui euh, La suprématie blanche, euh, euh, qui euh, euh, le, 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 le nationalisme américain, etc. Sans parler, par exemple, de, de groupes comme ceux qui patrouillent le long de la frontière mexicaine, qui euh, se proclament patriotes, qui sont armés et qui tuent un nombre inconnu de migrants euh, ayant tenté de franchir euh, cette frontière. Alors maintenant, Trump, ce qui est clair, c'est que lui, il les a euh, flattés, il les a euh, encouragés. Euh, elles ont leur propre euh, logique, qui n'est pas forcément celle de Trump. Elles ne sont pas forcément structurées à l'échelle fédérale, mais euh, elles représentent, c'est clair, en particulier si la crise sociale et économique s'aggrave, une euh, menace très importante, une menace. Contre les Noirs, contre les, manifestations, les manifestants antiracistes en particulier, mais une menace plus large de supplétifs armés au service du capital, prêts à utiliser la force pour, pour le protéger. Voilà ce qu'on peut en dire. Et ça, encore une fois, que Trump reste à la Maison-Blanche ou n'y reste pas. Même s'il était battu, elle ne disparaîtrait pas. Ceux et celles qui les animent seront toujours là dans les mois et les années à venir. Tu veux peut-être euh, dire quelques mots pour euh, conclure euh, cette vidéo, ou Stéphane d'ailleurs euh, Oui, bah pour, pour <laughs> euh, aller euh, dans le même sens que, que Michel. Euh, oui, ces milices d'extrême droite, elles représentent un danger, un danger plus grand aujourd'hui qu'hier. Euh, et, euh, et là, il n'y bon, a pas d'échappatoire pour euh, s'en préserver. Il va falloir se, se bagarrer. Et les travailleurs ne peuvent pas compter sur les démocrates. Pour s'en protéger, parce que les démocrates, bien sûr, qui sont opposés à ces milices d'extrême droite, mais eux, qu'est-ce qu'ils vont dire Ils vont dire Ah, il faut que la police nous protège il faudrait que la police quoi, protège les, les manifestants qui, qui protestent eux-mêmes contre les brutalités policières. Enfin, vous voyez un peu l'absurdité de la chose. Et puis, si demain, ces milices qui euh, essayent d'intimider, qui ont quand même essayé d'intimider par endroits euh, les, les, les électeurs durant la campagne, enfin, durant. Euh, même, même le vote, euh, puisque le vote a eu lieu sur, sur des semaines. Euh, demain, ils essaieront peut-être d'intimider euh, euh, des militants syndicaux qui font des piquets de grève à la sortie de leur euh, entreprise. Euh, C'est à tous ces problèmes-là que, que les travailleurs seront peut-être confrontés. Euh, et puis, euh, il reste évidemment tout le problème du, du pouvoir économique euh, qui reste aux mains de la bourgeoisie. Et euh, ça, si les travailleurs ne veulent pas sombrer dans le chômage et dans la misère, il va falloir qu'ils se préparent à euh, se bagarrer, et à se bagarrer pas simplement pour remplacer un président pour un autre, pas simplement contre les brutalités policières, contre les abus des capitalistes, mais aussi pour une société qui soit complètement différente, une société socialiste, parce qu'il n'y a que ça qui peut permettre d'enthousiasmer une partie de la population, parce que ces élections, on a vu beaucoup de gens sont déterminés contre Biden ou contre Trump. Mais euh, euh, nous, on pense que les travailleurs peuvent avoir un programme qui attire euh, les, les, les masses sur un, 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 une autre société qui justement tourne le dos à la façon dont celle-ci fonctionne. Bon, eh bien je pense que c'est une bonne conclusion qui plaira à tout le monde. Euh, pour euh, je, je voulais vous dire oui que le texte complet de la conférence sera bientôt sur le site et publié aussi sous forme de brochure. Et eh bien voilà au revoir et bonne continuation à toutes et tous.